Bon Jean-Louis, on va y aller où hein? Ouais. Mais attends, on a où? Ouais, je m'appelle un chevalier Jean-Louis, j'habite à la cité de Boudonnet. Et quand mes pêches, on a passion de pêcher un coquille. D'accord. Et c'est mon grand-père qui a la main. Et là, on a mis ce baignoire à l'embouchure, côté du parc. Alors, depuis combien de temps on fait ça? Là, 35 ans, mes rôles de coquille. C'est pour mon consommation personnelle. Et quand mes parents y arrivent, ils mettent ça chez eux à Saint-Anne pour manger. Qui ça l'a apprendre hein? Pêche coquille, à partir de quel âge? Où sont la partie fait ça, etc. À quel âge? Puis à peu près 11 ans, 12 ans. Et c'est mon grand-père à apprendre à moi à pêcher. Ici même? Oui, à Sebenoir, oui. Parce que je m'en ai à Sebenoir. Passion. Parce que si je ne rentre pas dans l'eau, ben, comme dit Bernard, vous voulez qu'on mette passion dans. Les chèches, comment? Et là, quand ils rentrent dans l'eau, moi, là, ils sont moins à l'aise. Ah oui, c'est moi, des fois, ils m'arrêtent au moins 2 heures, 3 heures, même 4 heures, des fois, ils m'arrêtent. Et là, la pointe, et là, le coquille, la pointe, comme dit mon grand-père, les parents, ils mettent le coquille une fois, il y a. C'est le galet, non, les patillons pour enlever. C'est moi, ça prend le temps pour enlever, là, il est comme les ventouses, hein. Et ça, là, le coquille, là, vous pouvez mettre ici dans la croyère aussi pour nettoyer. Là, il met le sel pour laver les coquilles. Ça, mais c'est la mousse, hein. Ça n'est pas bon, ça. Vas-y, là, les juste pour dégosser, là. Ah là, bon? Là, il est bon, là. Attends. Là, fin nettoyer, là, fin tout. Oui, fin nettoyer, toutes les propres, là. Ça peut s'aider ça. C'est les aiguilles. Et qu'est-ce que ça fait que ça? Ou du gosse au coquille. Il ne fait pas avec. Ah non, avec le. Cuadent. Cuadent, il ne fait pas parce que le casse de le coquille. Bon, ben, il est bon. Alors, le professionnel. Vous prenez des aiguilles, vous mettez là, comme ça, là. Hein. Vous faites comme ça, là. Vous réveillez comment? Et le ciseau, il est dedans. D'accord. Là. Pour moi? Ah, il a. T'es, il est pas loin. Ah là oui, ben la félicitation. 30 ans fait ça. Oui, 30 ans, 31 ans, mais fait ça. D'accord, et oui. Aujourd'hui on est fiers. Bah oui. Ah là. Ah enfin, merci Seigneur. Ouh ah. Bon, là Jean-Louis, une heure de travail. Une heure de travail pour 6 personnes pour manger. Bon, nous fait Amali. Nous a fait Kuali. Et Madjao, comment t'es aidé? Voilà, ouais, d'accord. Rebé, rentre en haut! Fais comme sur le calme. À la pouf. Et ça, c'est quoi? Ben, on va aller, regarde. Aujourd'hui, nos cuisines. Bouillon coquille. Ok. Ben, tombe bien. Nous avons toute cette fois, là pour cuisiner. Allez. Ah ouais. Pas mal du tout, les coquilles. Hein. Joli? Hein? Oui, ça va. La petite râpe, ça ce matin même. Hein. Ah, ou même? Pas moins. Il y a l'aîné Saint-André, il a grandi un petit peu cette saison. Et puis un petit peu partout, la Réunion. Et après, il a quitté un peu la Réunion pour voir un coup, soit un petit coup la mer pour garder qu'on s'en est un peu plus loin, côté Strasbourg. Après, ben, la racine, il y a un rappel à nous, hein. Voilà, il revient au cœur. Et ben, malheureusement, la Réunion. Bouillon coquille, moi, m'y prépare, allez, disons quasiment comme un carré poisson. Je prépare des épices avant. Gingembre, l'ail, oignons. Cotomili, oignons, fleurs oignons, un petit cuillère massalé, à moi, ils mettent un petit peu curcuma mère, ils donnent un peu plus de goût. Lisser la racine principale qu'il pousse, c'est le curcuma mère, et toute cette nénée-là autour, c'est ça qui nous va faire le curcuma de table, on va dire, d'utilisation de tous les jours. À moi, il fait griller le silon, ça c'est une méthode, papa, t'es fait avant. Il fait ressortir vraiment toute l'odeur, le goût, toutes les saveurs vraiment du silon. Donc après, nous pile le gingembre, l'ail, le silon et 2-3 grains de piment avec. Ouais, on va s'en tirer passer, mon ami. Hein. Et tomates. Dis ça pour le tomate, voilà. Mais waouh. 3-4 tomates. Vous faites revenir les oignons, les épices ou la pilée. Et là, après, vous envoyez le tomate dedans. Vous laissez bien cuit. Vous mettez un petit bronze caloupilé, bronze le thym. Ça rajoute le petit cuillère massalé, là. D'accord. Ok. Après, on largue le coquille dedans. Les collailles bien. Et quand on prépare le coquille, il nettoie,
On garde toujours le jus de cuisson. Ça, c'est pour faire le bouillon coquille, il est beaucoup mieux, il est mieux avec ça. Ok. Ah oui, là, le curry devient bouillon. Voilà. Et donc, nous le remettons ce bouillon-là dans le marmite pour refaire venir avec. Il nous laisse bien réduit. Et là, après, ben, nous mange bien chaud. Donc, nous fait le rougaillement avec un petit gratin citrouille à côté, du riz blanc, et voilà. Voilà. Ah. Waouh. Donc là, les pierres réduites, ils fument encore, comme il dit. Ils fument encore, hein. On a remarqué depuis ces deux dernières années que il revient au goût du jour et tout le monde il est un peu à la recherche de cette identité, de notre histoire. Donc ça va vers les personnes, vers les produits, on va dire un peu oubliés, comme songe pâté, la poire de terre, même un manioc aujourd'hui, de monde il fait piquer ton manioc, un manioc, ou fait bouillir un manioc, ou mange un manioc, un petit rougail tomate à côté, avec un petit saucisse pété, ou bien un petit morceau de la morue grillée. Parfait. Seulement, ça seulement, là, c'est pour faire danse en haut, et comme il dit souvent, le doigt de pied fait la musique. Voilà. Bon moment de partage. Voilà. Santé à nous, hein. Santé à toutes. Bon appétit.